sur la lune. C'est pour toi, papa. C'est moi qui lui dis. Je crois que c'est mieux. Je sais comment lui annoncer les mauvaises nouvelles, Gax. Laisse-moi faire. Je me permets d'assister, Gix. Je suis le numéro un. C'est à moi de le faire. Triste puce que tu es. Elles sont nulles, ces foreuses lunaires. C'est de la cablotte. T'es viré. Pousse hors de ma vue. Excusez-moi, monsieur. Je voulais juste vous remercier d'avoir fait... Gix a quelque chose à vous dire. Oui. La NASA va retourner sur la Lune. Mais qu'est-ce qui leur prend de retourner sur la Lune maintenant? 40 ans sans aucune mission, et il faut qu'ils en envoient une aujourd'hui. Quel est l'abruti qui nous a pondu cette brillante idée? Il s'agit d'un ordre émanant directement de la présidente. Oh! Alors comme ça, la présidente veut jouer. On verra bien si elle ose encore fourrer le nez dans mes affaires quand j'atteindrai la Lune et mettrai la main sur mon jouet. Personne d'industrie est fier de vous présenter l'énergie de demain, l'ultime alternative au pétrole. L'hélium 3. Comment? Vous n'y allez pas pour réaliser le rêve de votre père? La Lune, il n'en avait strictement rien à battre. Comme il disait si bien, il n'y a jamais aucun hic si ça m'aide à finir bourré de fric. Et maintenant? Oh, personne ne défie Richard Carson! Personne! Gax, on lance la simulation! Tout est prêt, monsieur. Parfait. À toi de jouer, Gix. Impressionnant, monsieur. 20 fois plus puissant que l'énergie nucléaire. Ce sera le plus grand monopole de l'histoire. Allez, maintenant, Gix, testons-le comme arme. Excusez-moi, monsieur. Ça va détruire toute la maquette. On en aura besoin pour d'autres tests. On s'en balance. Pas moi, monsieur. Je l'ai construite pièce par pièce. Ça m'a pris 8 mois. Alors, estime-toi heureux. T'as du boulot pour 8 mois de plus. Gix, prêt pour la mise à feu? À vous autres. Mais avant de... On y va, Gix. J'ai dit prêt pour la mise à feu. Ça marche à tout casser. Il n'y a qu'un petit problème, monsieur. Alors, règle-le. Le souci, c'est que... Gax était toujours dedans. Oh! Dans ce cas, félicitations, Gix. Tu viens de monter en grade. C'est toi qui construiras les maquettes pour la suite des tests. Qu'est-ce que c'est? C'est possible d'avoir une interview, monsieur Carson, s'il vous plaît. Monsieur Carson, qu'est-ce que ça vous fait? Nous avons vu pour la Lune. Au revoir, mes amis. L'histoire est en marche. Parfait. Bye bye, madame la présidente. Une minute avant le décollage. Papa, on y va. Bon, très bien. Je vais devoir la pétrifier. Vous ne pouvez pas faire ça. Il y a 2 enfants et un vieux monsieur dedans. Et alors? Ah, j'en étais sûr. Les robots mineurs à la base. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Délinquant juvénile. Et je te rends cette espèce de vieux schnock mal luné. Je te rappelle dans... 10 secondes. Maintenant, finissons-en. Donnez-moi le drapeau. Tout à fait. Et ce qui est dit est dit. Gix. Notre famille. Pas toi, Gix. Je n'ai jamais eu de famille, monsieur. Gix, libère-le. Et les retrouvailles, vient le moment des adieux. Gix. Tu l'es. Vous pouvez répéter? Vous êtes un être méprisable, monsieur Carson. D'où tu sors ça, petit avorton? Vous vous prenez pour un génie. Mais on sait tous que sans la fortune de votre père, vous ne seriez absolument rien. Comment oses-tu, misérable? Tu crois que tout ça, ça s'est construit tout seul? Vous voulez parler de cette usine ou je sais pas quoi? C'est bien plus qu'une usine, ignare que tu es. C'est un centre d'extraction d'hélium 3, la plus formidable source d'énergie que l'homme ait jamais connue. Elle est à moi! Admirez-moi ça! Mon père serait fier de moi! Vous avez fait croire au monde entier que... Car
Seul un génie pouvait leurrer toute l'humanité. Seul un génie pouvait être à la tête du plus grand monopole énergétique de l'histoire. Je vendrai mon énergie à toute la planète. Et si un pays refuse de payer le prix que je lui demande, boum, je le désintégrerai. Tout comme je vais vous désintégrer toi et ta clique. Il n'y a jamais aucun hic si ça m'aide à finir bourré de fric. C'est cool. Qu'est-ce qui est cool? Ici Amy Gonzalez qui vous parle en direct de la Lune. J'ai toujours eu confiance en la NASA. Vous voyez? Comment? Vas-y, Igor, fonce. J'ai bien peur qu'ils disposent de leur propre transmetteur portable. Tu les as laissés entrer avec cette machine? Je vais te virer, Giggs. Magie, ne les laisse pas s'échapper. Rattrape-les. Mais je suis viré ou non? Giggs, je vous garantis que vous allez me le payer. Je vends ces sales petits enquiquineurs. Je vais vous écrabouiller! Je vais vous broyer sous mes roues! Papa, je suis au paradis. C'est toi, papa? Monsieur Carson? Griggs? Mais qu'est-ce que tu fais là? Sans casque en plus! En fait, monsieur, j'en ai pas besoin. Je suis un androïde. C'est Gax qui m'a fabriqué. Giggs, si tu peux voir ceci, c'est que tu n'en as plus pour très longtemps. Eh oui, Giggs, tu es un androïde. C'est moi qui t'ai créé. Oh, pauvre petit coco, toi aussi t'as perdu ton papa. Oui, vous l'avez tué, monsieur. C'est pas grave, je te pardonne, je suis là maintenant. Giggs, on pourrait pas éteindre cette espèce de casse-pied. Non, monsieur, il a une batterie inépuisable à l'hélium 3. Super, quel est l'idiot qui a prouvé ça? C'est vous, monsieur. Ah, c'était une bonne idée.